Ces derniers temps, les abonnés au service Internet de l'opérateur Algérie Télécom ont toutes les peines du monde pour accéder au web. Tous les jours, lorsqu'il s'agit d'avoir une coupure qui est complètement indépendante de notre volonté, tout le monde dit voilà, encore une fois, Algérie Télécom a coupé un mauvais réseau, etc. Selon Mohamed Habib, directeur général adjoint d'Algérie Télécom, les problèmes liés aux coupures d'Internet sont des causes d'origine humaine et qui pourraient se reproduire à n'importe quel moment. C'était l'incendie à Kouba il y a 3-4 mois, l'incendie de jeudi avec Babzouar où 25 000 clients étaient isolés. Hormis. Les incendies qui seraient au cœur de cette catastrophe, l'installation des câbles en fibre optique y est également pour quelque chose. Aujourd'hui, les incidents se font de plus en plus. C'est normal. Pourquoi Ces fibres optiques qui sont agressées quotidiennement, n'est-ce pas Font en sorte que nos réseaux que nous avons mis en place euh, diminuent de qualité. En l'espace de sept mois, Algérie Télécom a connu une perte colossale en termes de chiffre d'affaires. Les pertes. Euh, les différents incidents que nous subissons et des agressions que nous subissons sur le réseau donc sont arrêtés à fin juillet à quelque 200 millions de dinars. Néanmoins, les perturbations que rencontre le secteur portent préjudice aux usagers, mais aussi à l'image de marque d'Algérie Télécom.